Dans cette petite vidéo, la plante que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui, c'est cette plante que vous voyez devant vous. C'est une plante, disons, qui atteint en général entre 1 et, disons, 2 mètres de haut. C'est une plante, disons, semi-vivace. Ça s'appelle en nom scientifique, hein, Crotalaria pallida. Et semi-vivace, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, bon, pendant la saison sèche, au moins, la souche persiste. Les feuilles peuvent être perdues, la tige même parfois, mais la souche persiste. Qu'est-ce qui caractérise la feuille de Crotalaria pallida? On voit que les feuilles ont des pétioles assez longs, hein. C'est une feuille trifoliée, il y a 3 folioles. On va revenir un peu sur ça tout à l'heure, mais on regarde le pétiole là, qui est quoi, 3 cm sur celui-là, hein. Et sur celui-là, on a jusqu'à 4 cm, donc on va en dire en gros, c'est entre 3 et 4 cm. Et quand on regarde donc les folioles, on voit que la forme générale, hein, c'est obovale, hein, et donc... quand on descend vers la base de la foliole, on voit que c'est assez cunéiforme, conique, hein, et on voit que la foliole supérieure là, hein, est un peu plus grande que les 2 autres folioles. On voit une nervure principale assez visible. Les nervures secondaires sont assez évanescentes, hein, c'est pas très très visible. Même au dos, c'est assez translucide quand on regarde le dos de la feuille. Tandis que la nervure principale de chaque foliole est assez bien visible. Bon, les dimensions, hein, on peut voir là, la largeur là, de la foliole la plus grande, c'est de l'ordre de 3 cm, contre, disons, jusqu'à 4 cm, hein, de longueur. Bon, donc ça, c'est un peu ça les feuilles. Et leur disposition le long de la tige, on peut voir. On a donc une feuille ici, trifoliée, une autre là, donc un peu décalé par rapport à celle-là, ensuite ça vient là, ensuite ça vient là. Et on peut dire donc que c'est une disposition en spirale, hein, en montant autour de la tige. Tout ce concernant la description des feuilles, hein, donc on a dit que la feuille est trifoliée, et on peut voir que les couleurs là, de la partie qui regarde vers le ciel, sur ces feuilles, est légèrement violacée, hein. Tandis que quand vous prenez les feuilles un peu plus âgées en bas, c'est plus vert. En réalité, quand elles sont jeunes, apparemment, donc, c'est un peu plus violet. Et ce qui est assez remarquable aussi, cette plante semble beaucoup aimer le soleil, hein, en fait. Quand on est très observateur, on va voir que le matin, quand le soleil est vers l'est, la plante a tendance à s'incliner un tout petit peu, à la manière des fleurs de tournesol, à s'incliner un tout petit peu vers l'est. Tandis que elle va s'incliner un tout petit peu vers l'ouest lorsque le soleil est en train de se coucher. Alors, les tiges elles-mêmes, hein, il y a beaucoup de tiges. À partir de la souche, hein, voilà, ça sort un peu ramifié. Il y en a beaucoup ici, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein. Et donc... souvent on va trouver donc Crotalaria pallida comme ça, hein, donc beaucoup de rejets à partir de la souche. Crotalaria pallida donne de très belles fleurs en fait, hein, on voit là c'est une inflorescence en racème, c'est-à-dire en grappe terminale, et on voit les fleurs là qui se suivent, hein, de façon très très dense, très rapprochée, et les fleurs, on voit surtout leurs pétales ici, hein, qui sont de couleur jaune, et tendant un peu vers l'orangé. Et quand on coupe une des fleurs, on regarde, hein, on voit que l'enveloppe externe de la fleur, c'est-à-dire les sépales, eh bien, c'est constitué de combien? Je vais compter ici. Il y a 5 éléments là. Hein, et donc à l'intérieur, vous avez les pétales, bien sûr, qui vont recouvrir les organes de la reproduction. Donc, quand cette fleur elle va être fécondée, elle va donner des fruits qu'on ne voit pas ici, mais ce sont des gousses, hein, qui sont de forme falciforme,
hein, c'est-à-dire la forme de faucille vraiment, hein, de faucille un peu recourbée. Et donc, Crotalaria aussi est une plante qui est très appréciée. Et ce que nous venons de donner comme description devrait permettre de pouvoir reconnaître facilement cette petite plante et participer à sa conservation aussi, à sa multiplication. Surtout qu'il y a beaucoup d'applications hein, sur le plan herboristerie et aussi les usages, différents usages que les populations locales en font de cette merveilleuse petite plante. Pour ce qui est des noms dans les langues locales, Crotalaria pallida, les Mossi du Burkina l'appellent Wenle Bende. Wenle Bende. Bon, je sais que Wend, y a le nom de Dieu là-dedans. Si vous allez par exemple côté Niger, les Haoussa l'appellent Birana. Bon, bien sûr, on trouve dans la littérature d'autres noms, hein. Mais on va, comme dans chacune de nos vidéos, on va lister à la fin surtout les usages que les phytothérapeutes font des différents organes de cette merveilleuse petite plante que nous pouvons nous-mêmes, nous avons dit, c'est semi-vivace, hein, donc ça c'est assez résistant et on peut contribuer à sa conservation.